Oui. YouTube, on est de retour. On a farmé comme des fous YouTube. Et on a fait la veine d'argent intégralement. Et on était parti en se disant avec Franck qu'on allait peut-être aller chercher une autre veine. Mais avant, vu qu'on a des problèmes avec le froid et qu'on n'a plus de potion anti-froid, on va utiliser notre dernière. On va devoir ramener tout l'argent qui est là. Oh non, de Dieu. Ça y est, ça commence, il y a déjà le bordel dehors. Il est où? Il est là. Bah oui, mais je suis obligé de te laisser le faire. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais pas viser? Non, non, c'est pire que... Oh putain, Jack. Oui? Il faut que je retourne à la base. Qu'est-ce que tu fais avec la binette avec toi? Est-ce que tu veux vraiment une réponse? Non, 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 non. Oh mon Dieu, à force de te fréquenter, je perds la boule. Alors, Franck, on va utiliser une technique... Oh non, putain. Alors, on va utiliser une technique brevetée. T'es prêt? Tu vas devoir m'escorter et me protéger. J'ai... Je suis pas sûr de ça, moi, tu vois. Tu veux pas plutôt... La... Enfin, moi, je peux soulever pas mal de points. Hein. Ouais, mais moi aussi. Remarque, attends, on en a pas tant que ça. Si je pose ça... Ah mais non, elle était dans mon inventaire. Ouais, j'ai une idée. Oh, attends, j'ai une super idée, Franck. Aïe, aïe, aïe. Mais si, tu vas voir, ça va aller très bien. Alors, ça va être exceptionnel. Quelle belle porte tu portes là. Tu vas prendre la remorque, ça va être parfait. Je vais nous faire une remorque de sécurité. Ah bon? Oui. En plus, ça coûte rien du tout. T'es parti te battre avec la fourche. C'est un paysan. Regardez ce, c'est un révolutionnaire, je le savais. Je le savais. c'est pas ici d'ailleurs, c'est celle-là. Profitez-en pour réparer. Plutôt que de glander hein là. Ah, mais mon stuff est déjà réparé. Oui, bah le mien aussi était réparé, ça va. C'est pas ce que j'ai entendu il y a 2 secondes. Oui, bah t'as l'impression, mais c'était du rollback. C'est du rollback, Franck. Je suis un peu le get-no, oui, de... Est-ce qu'on a du bois dans tout ce bordel, là? Oui. Vous voyez ces coffres installés en forme de spirale? Eh ben, on ne s'y retrouve pas. Alors, c'est pas vrai. De base, tu m'as dit, on fous des coffres pas. N'importe où. Bah, je t'ai dit, place-les tel que ça te paraît bien. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. J'ai fait un montage avec des bouts de phrases que tu utilises pour le prouver. Et il n'a pas été falsifié, d'ailleurs. Oh! Je ne te crois pas. Bah, j'ai passé une demi-heure à le couper. Qu'est-ce que tu coupes bien le bois, Jack? J'aime bien te regarder bosser. Mais attends. Parce qu'après, c'est toi qui vas bosser. Allez, viens. Ah, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, rien, rien. Pourquoi dépêche-toi parce qu'on a notre potion qui n'est plus qu'à 7 minutes. Il va falloir qu'on se maille le cul. Ah, tout de suite. Alors. Ça y est, on se maille. Comme je suis pas trop sûr du résultat, je vais te protéger, d'accord? Oh là. Oui, je vais te protéger. Ça va bien se passer, Franck. Donc je prends du minerai de fer. Voilà. Et je prends combien ma capacité, en fait. Ouais, tu prends... Ah non, non, tu... Attends, une seconde. Bouge pas. Tiens, libère-moi le coffre. Oui, bien sûr. Hop. Je mange un petit coup. Tu vas voir, c'est un plan qui va se dérouler sans accroc. Viens avec moi. Mais attends, j'ai pas pris de minerai. T'as pas besoin. Tout est dedans. Ok. Quoi? Tu vas prendre la charrette. Et je vais te protéger. Attends, c'est ça ton plan? Oui, c'est ça mon plan. Allez, vas-y. Ah oui, dans le plan débile, on y est. Mais quoi. Non, il est pas débile, vas-y. Moi, je fais la vigie. Tout droit. Mais attends, t'es sûr de ce que tu veux que je fasse? Mais oui, tu descends. Alors, descends doucement. Enfin, descends tout droit. Hein. On est bon, là. Non, mais je prends pas des grosses pentes, c'est ça que je suis en train de faire. Mais zigzag pas trop, va toujours tout droit. Et, nickel, on est très bien, là. Il va passer sur le côté là. Sur oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Allez, hop là. J'aurais dû crafter un fouet. Non, là c'est bon, descends tout droit là, on est bien là. Impec, vas-y, laisse-toi glisser. T'es sûr là? Oui. Oh merde, je suis tombé. Attention à la charrette, Franck. Non, c'est bon, on est bon. On est bon. c'est bon. Ça passe, impec. Au secours, l'arbre. Mais non, vas-y, passe à côté, évite les choses. Et vite! Mais je suis pas en train de faire du boxelet! Mais je te vois là, tu fais le pitre depuis tout à l'heure. Passe plutôt par. Attends, je vais te.
Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour. Par ici, par ici. Faut qu'on soit en pente douce. Ah ouais, par contre, là, ça va être un peu plus chiant. Attends, je vais libérer. Il y a un ingri qui se rapproche, Jack. Ouais, bah tu lui mets un coup dans sa mouille. Mais non, mais il en veut à ma vertu, Jack. Ah! Ah, protège la charrette! Petit bâtard. Attention, sur le côté. Oh, il a attaqué la charrette. Oh, le bâtard. Non, mais... Tu vois? Attention! Vas-y, vas-y, je te laisse protéger la charrette, je fais le passage, moi. Bonne nuit, Nat et Audrey, des gros bisous. Comment ça, Patty? C'est foireux comme plan, non, mais je te permets pas. C'est-à-dire que, bah, pour une fois, je vais leur donner raison, quand même. Bah non, ça pue. Mais non, c'est parfait, on peut tout transporter d'un coup, sans aucun risque. Et moi, j'arrive à tout superviser depuis l'intérieur de la charrette. Donc c'est parfait. Par contre, j'arrive pas à péter la souche qui est là. Je pense qu'attends, elle va... Non, elle m'empêchera pas de passer. D'accord, elle t'empêche pas de passer. Je te fais le passage. T'as essayé de passer là sur le côté, ça devrait passer normalement. Tu sais, je trouve notre expédition un peu foireuse. Mais non, regarde. Franck, tu peux taper aussi. Oui, non, mais je sais que je peux taper, mais j'ai peur de péter la charrette. Bon, et puis là, faire le passage pour la charrette, ça demande de la précision. Tiens, ici, là, sur le côté, tu devrais passer. Oh, j'ai quelqu'un qui me suit chez moi. Merci, Snox. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu es perdu. En tout cas, bienvenue à toi. Mais ça m'arrive en journée, quand je suis en train de faire des records. Oui. Non, j'étais coincé avec une pierre. Ça m'est arrivé en journée, pendant que je faisais des records, en fait, comme les gens s'abonnaient. Voilà. Alors, là, c'est la partie, par contre, Franck, que tu vas moins apprécier. Ah non, je veux pas glisser. Si, tu y vas. Allez, arrête de faire l'enfant. Allez, hop, on descend là. Le bateau est juste en face. Allez, descends doucement, n'abîme pas la charrette. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Retournée. Oh, Franck, je te confie la charrette et toi, tu t'amuses à la faire des tonneaux à la charrette. Non, j'ai pas fait des tonneaux. C'est bon, je la retiens. C'est bon. Aïe, c'est bon. La charrette ! C'est bon. Je l'ai ! C'est bon. Je crois qu'elle a des bosses. C'est bon. En fait, je crois que c'est le buisson qui la retient. Attends, je vais péter le buisson. C'est bon, c'était le buisson. Fais la tournée sur le côté, il y a les arbres. Attends, je la retiens, attrape. C'est bon. La branche. C'est bon. Vas-y, Franck, continue tout droit. Mais il est où, ce putain de rafio? Mets-toi là sur le côté, sur la gauche. Mets-toi sur la gauche, là. Il y a un endroit un peu plat, ouais, par ici. Et moi, je vais ramener le bateau. Je te laisse y aller, faut que je me repose, j'ai eu peur en descendant, ça m'a fait des émotions, un truc de fou. Ah mais moi j'ai eu un petit coup au cœur, hein. Ouais. Ah, vas-y, arrête-toi là. Voilà. Ah. On fera pas ça tous les jours, hein. Non. Oh oui. C'était tellement dangereux que j'ai été obligé de descendre de la charrette à un moment. Ah, on me dit que tu as ta vignette pour YouTube. Ah, vous ne pouvez pas savoir, je n'ai pas la même vision que Franck. Mais oui, il y a des endroits un peu goldés. Ouf. Le pire, c'est qu'il essayait de planifier ses gags. Il n'y arriverait pas. Comment ça, ces gags? Attendez, les gens, on est descendu avec la charrette intacte. Bon, je viens de la réparer, mais il restait carrément de la vie. Ouais, vous êtes dégoûté parce qu'on a réussi, c'est tout. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on a un skill comme le nôtre, bon, bah, je peux comprendre que voilà, ça crée de la jalousie. Évidemment, de l'envie. Et tout à fait. Et tu veux que je te dise? Ça m'écœure. Pourtant, après, je le sais, hein, mais c'est toujours écœurant. Trois pauvres tacs d'argent, donc on va pas chier loin avec ça, mais on a le proof of. Bah... Oh putain, j'ai raté, j'ai cru que j'ai. Oui. On a le proof of context, c'est-à-dire que notre méthode est parfaite. Après, c'est une méthode spiralée, hein. Ouais, mais je suis sûr que c'est à cause du rollback de la charrette. Le rollback de quoi? Je sais pas. Oui, je le place maintenant pas. Oui, non, mais t'as raison, il y a dû avoir un rollback pour que la charrette... En plus, à un moment, je te cache pas, j'ai une petite crainte qu'elle fasse un tonneau. Alors, normalement, elle a peut-être fait une figure qui pourrait éventuellement s'apparenter plus ou moins à un tonneau. Mais très honnêtement, je ne pense pas. C'est sûr que c'est un bon emplacement pour la charrette. Moi, je l'aurais décalé quand même. Hein. Non, mais regarde, j'arrive avec le bateau là. Tu vas pouvoir commencer à. Bah, prends des stacks pour pas être trop chargé.
Et je vais nous mettre ici. Ouais, c'est bien là. Allez hop. On va emmener tout ça, ça va être magique, Franck. Je nous trouve étonnamment performants. J'en suis pas loin d'être inquiet. Bah, moi je me dis qu'on va crever. Mais non. Oh si, Jack. Ça s'est bien passé, la descente en charrette, le retour au bateau. Pourquoi je sens pas. Pourquoi veux-tu que le retour bateau se passe pas bien? Très honnêtement. Jack, non, on s'en est sorti. C'est pas bon. C'est pas signe. C'est pas nous, ça. Toi, t'as l'impression qu'il va y avoir un effet secondaire. Une bonne secondaire. Grosse couille, hein, ouais. Ouais, attends. Je suis désolé, mais en termes de map, on doit aller tout droit, quasiment, presque. Je vois pas comment on peut rater ça. Hein. Comment je marche comme un bonhomme alors que je suis dans l'eau? Et le personnage, il roule des mécaniques quand il est dans l'eau. Il faudrait qu'il change l'animation. Je pense que pour l'instant, ils ont pas fait tout ce qu'ils voulaient. Ah mais attends, t'as laissé une tonne de merde là-dedans. Oui, parce que je veux la priorité au minerai, Franck. Priorité à l'argent. Non mais on est d'accord. Moi, si tu veux, quand on me parle d'argent, j'ai les yeux qui font roulip, tu vois. Qui font mais bon, on va pas. Qui font roulip. C'est encore un des termes du sud là, c'est ça? Je sais pas si c'est vraiment du sud en fait. Tu sais, je viens de plusieurs régions en fait. Oui, bon, t'es une sorte de gitan quoi. T'es plus ou moins itinérant, c'est ça? C'est ça, mais en fait on va là où il y a du cuivre. Hein. Techniquement c'est un peu ça, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et là on est passé à l'argent, donc on a pris du galon. Hein. Ah bah j'espère bien, dis donc. C'est bon, faut marier. J'ai récupéré une autre charrette. Il y a le mariage de la petite, hein. Elle commence déjà à avoir 15 ans. Oui. Non, c'est bon, j'ai tout récupéré. On laisse l'établi sur place, ça peut servir. Parce que je pense et le merdier, tu l'as récupéré aussi? Ah, j'ai tout pris. D'accord, ok. Allez, zou. Là, c'est la partie facile du plan. Oh, on va mourir. Par contre, prends peut-être de l'argent, surtout à part sécurité. C'est prévu de remonter la charrette? On n'a pas besoin de la remonter, en fait. On la casse et puis on la réassemblera en haut. Oui, tu veux que je prenne de l'argent? Prends le maximum d'argent sur toi. Attends, je vide aussi. Parce qu'en fait, j'ai une parfaite confiance en notre plan, Franck. Écoute-moi attentivement. J'ai une parfaite confiance au plan. Mais si jamais on venait à devoir fuir du bateau de façon précipitée, j'aimerais qu'on ait sur nous le... C'était quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que t'as fait, Franck? Je n'ai rien touché. Il y a un poisson dans l'eau. Il y a quoi comme poisson dans l'eau? Ça ressemble à un saumon. Oui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un saumon attaquer un bateau. Mais c'est peut-être un saumon adulte. Viking. Attends, je vais prendre du bois, je vais faire un atelier. Tiens, file-moi de la place. Dit que je suis gros. Non, mais c'est nul qu'on puisse pas consulter les inventaires à deux. Ça sent la grosse casser flemme. La charrette. Récupérer la charrette. Ouais, on le fera au retour. Elle est déjà faite. Ah, ça y est, tu l'as démonté. Ah oui, moi je perds pas de temps, moi. Ah oui, d'accord. Parce qu'on va en avoir besoin en haut, en fait. On va pas se taper, retourner ici pour aller juste chercher la charrette. Surtout qu'on n'a pas de portail en bas. Attends, j'aimerais la mettre de façon complètement RP. Oh, je pouvais là, à l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Je fais du RP, Franck. Voilà. Un atelier qui flotte? Il flotte pas. Il est posé sur un pied. Ne sois pas médisant, Franck. Ne critique pas ma façon de faire du RP. Je suis un spécialiste du RP. Ah non, je dis pas le contraire. Mais là, tu vois, ton RP dit « j'emmerde la gravité ». Oui, mais c'était pour réparer le bateau. Mais non, il n'emmerde pas la gravité. Regarde, il est parfaitement posé sur un pied. Il a pas l'air comme ça, mais tout le poids est réparti sur un seul pied. C'est du design possum. C'est autre chose que toutes ces merdes suédoises. Oh, tu renies nos origines. Oui, enfin, l'architecture opossum et le mobilier opossum, c'est quand même autre chose. Ah bah oui, non, mais là, si on parle technique, c'est sûr que, bon, bah, là, je suis obligé de m'incliner devant ton argumentation. Il n'y a qu'à voir la déco de la base. Hein. En plus, ça a son petit effet, je trouve, l'établi, comme ça, qui plane. Moi, j'aime bien, moi. Allez, c'est parti. Même technique que d'habitude, Franck. Tu es ouvre l'œil et le bon, parce que je te rappelle qu'on cherche une île. Tortue. Une île tortue. T'as encore picolé avant le live. Hein. Bah écoute, quand on tombera dessus, tu me diras « Ah, t'avais raison, Jack, en effet, il y a une île en forme de tortue. »
Et qu'est-ce qu'on fait si on entend rugir? On fuit? Ben non, on tire avec les flèches. J'ai plus de flèches. J'ai pas d'arc. Oh, il y a une île tortue là, juste en face. C'est une île tortue ça? Ah non, c'est un rocher. C'est un récif. Et merde. Il n'y a pas assez de... De toute façon, on nous a dit en commentaire, et ça a été confirmé à maintes et maintes reprises, qu'il fallait dans des... aller dans des océans plus profonds. Donc il faut qu'on prenne la mer. Le grand large, c'est ça. Avec des flèches, évidemment, parce que évidemment, si tu vas sans flèche, ça n'a aucun sens. Oui, mais je te ferai dire qu'il faut voir tout le merdier que j'ai dans mon inventaire. Ah, on remarque qu'on avait une grande montagne aussi. Non, elle a l'air plus... Elle est moins pointue, la montagne, qu'elle a l'air... Mais en fait, je crois qu'il y a une montagne juste derrière chez nous, en fait. Ah, j'ai toujours pas marqué la base. Ce qui est bien dans le jeu, tu vois, c'est qu'on peut pas couler les bateaux parce qu'on les coule nous-mêmes. Bah, c'est-à-dire qu'on veut pas laisser le temps aux ennemis de le faire. Donc on le fait nous. Non, non, c'est surtout pour récupérer les pièces. En fait, c'est le seul moyen qu'on a. Oh, il y a encore. Je crois qu'il y a encore Odin là sur le bord de l'eau. Ah non, c'est notre base. Ah bah non, c'est un clodo. Il y a un clochard dans notre base. Un petit peu de respect, jeune homme. Je suis Odin. Qui? Tu me dis quand il faut sauter. Hein. Oh non, putain. Saute. Oh, tu... Franck. Franck. Je vole. Tu... Je vole. Regardez, Franck. Regardez, Franck. Hein, c'est pas beau, ça? Alors là, j'ai ma vignette, là. Là, j'ai ma vignette, elle est parfaite. Hein. Oh, putain. Ah, j'attends, hein. Ça va durer Attends. Quelques secondes. Je vais te jeter une petite flèche pour te faire descendre. Ça ne marche pas. Je ne peux pas te... Évidemment, il y a la compagnie des casse-couilles qui sont dans la base. Oh là là, tu m'entends au moins, Jaco? Ouais, ouais, je t'entends parfaitement. Ah bah moi, écoute, moi j'ai freeze, mais total. Hein. Si ça peut te rassurer, tu as entièrement disparu du ciel. Ah, c'est bien, c'est déjà un bon point. Dois-je te rappeler que j'avais de l'argent sur moi? Oh putain, Franck, prends ton temps pour c'est te bon. Reconnecter. Ah ouais, je peux même pas accéder. Ah, ça y est. Ah. Oui. Tu devrais tomber dans l'eau, je pense. Je me suis curieux de savoir où tu vas réapparaître. Ah, voilà, j'ai été déconnecté, en fait, plus exactement. D'accord, c'est quand même curieux, ça. Alors, lancer. Oh, notre bateau est amimé, dis donc. T'aurais bien tapé dessus, toi. Bon, écoute, le temps que t'arrives, je vais commencer à fondre ce qu'on a. Oui, enfin, j'ai perdu quand même le minerai de fer qui était sur nous. D'argent. D'argent. D'argent, d'argent, pardon. Comment ça, j'ai rien à transformer? Le maître de l'air, c'est Franck. Je te vois pas trop connecté. Pour l'instant, c'est plutôt, du coup, positif. Oui, non, mais enfin, chante pas, hein, j'arrive. Je suis en train de taper le mot de passe. En fait, je te donnerai uniquement des objets sans valeur. C'est plus simple. Je pense qu'il vaut mieux. Oh, t'imagines, t'aurais des coups pendant que tu tirais la charrette? La charrette, elle serait partie. J'aurais dû courir après. Ah, je suis dans l'eau. Ah bah voilà, je te vois arriver. Oh bah ça va, t'as recours là où t'étais déconnecté. Ton inventaire, Franck, ton inventaire. Une seconde. Non mais non, pas une seconde. Ton inventaire. Ah bah non, mais non, j'ai le minerai de fer. Ah, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien le remettre en grand écran. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, comme ils ont changé, je sais pas quoi, vérifie dans les paramètres du jeu. Il me semble que si tu veux le plein écran, faut cocher plein écran. Ce qui, globalement, est plutôt cohérent hein, quand il réfléchit. Voilà, ouais, bon, je te laisse commencer à fondre l'argent et de voir pour la cape du loup. Toi, viens ici, je vais te défoncer, mon gars. Ça commence à bien faire, hein, ces intrusions répétées. Mais je vois que t'as déjà gavé de minerai d'argent. Oui, j'en ai mis, ouais. Mais c'est pour que tu regardes pour les crafts. Ah! Bah attends, laisse-moi déposer le minerai déjà. Ouais. Tu as vidé le bateau, au fait? Non, non, j'ai pas vidé le bateau. Non, non, je trouve ça trop avilissant de faire ça.
avilissant. Oh non, mais putain. Mais tuez-moi, s'il vous plaît, quoi. Avilissant, quoi. Mais oui, Jack, voilà, tu fais des parades sans bouclier. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais, équipe ton bouclier, trou de bile. Tu sais qui c'est, toi, Aang ? Non. Oh, ça doit être encore un personnage de manga. Je suppose. Oh, attention, Dieu. Les enfants, hein, les mangas, ça rend violent. Oui, comme les jeux de rôle, d'ailleurs. Des satanistes. Regardez Franck. Il a été élevé au mamelon de ce genre de d'outils de Satan pour corrompre la jeunesse et voyez où il en est rendu. Hein. Oui. D'ailleurs, t'en es où ton costume d'écolière ? Eh ben, ça sera à la rentrée, mais pas la semaine prochaine. Ça sera la deuxième semaine parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de live du midi aussi. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Tu te calmes, ok ? Et pourquoi je peux pas prendre les lingots d'argent ? Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie là ? Non mais vous êtes combien ? Attends, faut que je regarde la stam. Non mais il y en a 50 là qui arrivent, ils viennent d'où ? Ouais, je te dis, il va nous falloir de l'argent aussi hein. Ouais, Jaco, mais en fait le souci que j'ai. Oui. C'est que j'ai des temps de latence, mais de fou. Ouais, bah, je te dis que moi, j'ai l'impression qu'Internet en a un coup dans la gueule en ce moment. D'accord. Ça, c'est de la faute des Russes. C'est Blanquer qui l'a dit. Ou des Chinois, je sais plus. Enfin bref, des gens qui parlent pas comme nous, quoi, tu vois. Oui. C'est tellement commode. Ils sont pas l'élite du monde. Oui. Bah, visiblement, l'élite du monde, elle est pas foutue de faire marcher les serveurs pendant une journée. Oui, bon, on peut pas être bon en tout, hein. Ils se prétendaient les ministres 2.0, la gueule du 2.0. Heureusement que je fais pas du 2.0 comme ça au boulot, je me ferais virer. Et encore, peut-être pas. Non, si. Non, c'est pas possible de bosser comme ça. Bah, eux sont pas virés, donc pourquoi tu le serais, toi ? Le mec qui dit « Oh, bah, je comprends pas, il y a eu plein de connexions et ça a planté. » Oui, ça s'appelle la charge, il faut la gérer. c'est un truc de fou. Attends, je m'occupe du charbon, hein. Ouais, je vois que c'est vide. Ah mais non, tout est plein, dis donc. Tu sais quoi ? Oui. Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait mettre plein de fours. Une entreprise ? Non, on devrait mettre plein de fours. Plutôt que de s'en manger en remplir deux et tout le temps aller les réalimenter, et t'en mets 6 en série, là, et tu remplis... Ah bah après, t'es paisible, c'est sûr. Tu vois, tu remplis tout, puis c'est parti. T'es pas en train de te friter, toi ? Bah non. Bah, j'ai entendu un coup. Il y en a un qui est en train de taper quelque chose. Putain, il y en a encore là-bas. Ils me saoulent. Ils viennent d'où Tu sais que ça sert à rien de râler. Alors, je râle pas déjà. Un peu quand même. Bon, tu m'excuses, moi j'ai du boulot. Hein. Je suis pas là pour coller des gommettes. Hein. Non, parce que c'est bien beau. Je vais à droite, je vais à gauche. Total, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je suis en train de m'occuper de dinguerie. Je le dis, moi, monsieur Jacquet. Je le dis. Il y a une recrudescence de dinguerie ici. Ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas ça. Je croyais que les ateliers empêchaient la repop des mobs. Oui, mais ils popent plus loin, ils arrivent ici. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai l'impression qu'il y a un spawner là-bas. Ah, ça, c'est la réponse à tout. Hein. Il y a un spawner. Hein. Ouais, mais il est super loin. C'est pas possible qu'ils viennent de là-bas. Non, je pense que la nuit, en fait, c'est tout simple. C'est qu'en fait, la nuit, c'est le bordel ici. Je vais subodorer que c'est un peu le merdier, effectivement. Ouais, et je pense qu'on devrait peut-être se faire une petite, un petit rempart comme on avait fait sur l'autre base. Tu veux que je creuse une fosse ? Ouais. Une petite fosse pour être peinard, tu vois ce que je veux dire ? Tu veux que je creuse maintenant ? Ah bah, je sais que t'en as envie, donc... Dis-moi d'où à où. Même si ça fait plusieurs kilomètres, c'est pas grave, je peux le faire. Bah, je vais te mettre des repères. Oh, il y en a encore, là. Oh la vache ! Mais je me fais caillasser ! Mais oui, il nous balance des cailloux. Ce que je disais la fois, c'est de l'intifada, quoi. C'est un truc de fou. Mais t'as raison, ils sont complètement fada. Ouais, c'est ça, c'est des jeunes, des drogués. Je pense qu'ils se droguent. Je ne vois pas d'autre explication. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et puis ils vont nous emmerder toute la nuit, en plus. Je pense que, ouais, si on se fait une petite fosse... D'où à où ? Du portail ? Je pense que si tu pars de là...
Ouais. Tu pars tout droit, je vais te mettre des repères. En fait, je vais te mettre des repères... Ouais, je vais te mettre des établis pour que tu puisses te repérer. Mais il faut que je creuse au niveau de l'eau, Jack. Bah, descends, mais tu fais juste un trou de 2 ou 3. C'est juste pour les empêcher de passer. Tu fais pas plus, Franck. C'est tout ? Oui, mais non, c'est tout. Et je vais tout droit ? Ouais, tu vas tout droit. Là, ça suffit largement. Là au niveau où t'es, c'est nickel. Fais pas plus. Non, mais fais pas plus. Ah, bon. Je vais t'installer des repères et ça va être plus simple. Je suis un peu déçu par contre. Hein. Voilà. Oui, bah, je doute bien que toi, t'avais envie d'en faire des kilomètres et des kilomètres. Bah, disons que je suis un professionnel quand même. Là, moi, je préfère le confier à quelqu'un d'autre, quoi. Je vais venir t'aider, t'inquiète pas. Je vois bien que tu refignes à creuser. Bah, pour creuser ça... Non, mais autant sous-traiter, quoi. Voilà. Ouais, non, là, on est bien, là. Mais ça va aller vite, hein. Parce qu'apparemment, ils ont patché ou je ne sais quoi... Enfin, que ça soit plus facile, quoi. Alors, non pas que ça soit quelque chose de difficile pour nous, parce que quand il s'agit de creuser des trucs... Alors, on a un peu la team de référence, si tu préfères. Ouais, mais bon, moi, je pars du principe que plus profond, c'est mieux. Oh, je voulais essayer de black référencer le truc au possum. Mais ça marche pas. Tu vois, j'ai mis des mots-clés sur les vidéos pour qu'elles soient référencées sur des trucs improbables. En me disant, avec un peu de peau, il y a quelqu'un qui va tomber dessus en tapant un mot-clé à la con. Moi, je les ai référencés avec flûte de pan. Mais pour l'instant, quand je fais des recherches opossum, flûte de pan, ça remonte pas. Je pense qu'on a... Je n'ai pas assez de poids. Oh. Tiens, tu tournes là. T'es arrivé au... Ouais, malheureusement. Faut tourner. Et je vais où ? Ah bah tout droit. Tu pars tout droit par là. Et je suis en train de te mettre les repères. Quelle déception. Alors tu pars... Habilité. Ouais, tu pars bien droit. Tu sais pas te faire de virage. Et je vais regarder comment tu pars. Ouais, tu m'as dit tout droit, alors bon, bah je creuse tout droit, quoi. Hein. Ouais, je sais bien. Quelle déception. Ah, je suis déceptionné. Hein. Ah là, je... Ah. Je sais bien, Franck. Je préfère te préciser que je compte râler pour le reste du live. Hein. Ouais, bah de toute façon, je te sentais bien parti pour râler de toute façon. Hein. Ah non. Utiliser mon talent juste pour faire ça, c'est de la merde, je te le dis. Oh putain, il est déjà là. Oh, c'est une taupe. Je te l'ai dit, j'ai un génie. Ouais, ça c'est toi le sous-traitant, Franck. Oh, tu me fais beaucoup de peine, princesse. Alors là, tu vois, tu m'as fait beaucoup de peine. Mon petit cœur est brisé. Et toi, tu ris ? Oui. Oui, je tu rajoutes des herbes de Provence sur ton cœur haché. De toute façon, t'as une tête à aimer les abats. Quitte après, opossum flûte de pan dans un moteur de recherche. Bah, quelqu'un qui aime les opossums, il se dit tiens, je vais mettre un mot qui n'a rien à voir avec pour voir ce que ça fait. Sans déconner, tu sais que je devrais rajouter des mots à la con dans les tags. Bah, tu peux pas dans Twitch, j'ai essayé. Tu peux pas mettre les tags que tu veux en fait. C'est nul, c'est naze. Alors, une fois que je suis à l'atelier, je tourne vers où ? Alors, tu tournes vers moi. Vers l'autre atelier, d'accord. On devrait se raccorder l'un sur l'autre, là. Oh, bah oui, on va se raccorder. On fait quelque chose de modeste, Franck. Faut te faire à l'idée. Modeste ? Non, c'est pas modeste, c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit. Après, on pourra faire des extensions si ça te fait plaisir. Des extensions, genre une fosse de au moins 8 de profondeur avec des remparts. Ah non, ça sera toujours une fosse où on peut remonter par nos propres moyens, tu vois, qu'on soit pas obligé de faire le tour comme de débiles. Bah comme ça nous arrive régulièrement en fait. Jack, t'as de l'eau dans ton trou. Oui. C'est normal, je suis au niveau de la mer moi. Et quand il y a des grosses vagues, ça retombe. Bon, il va falloir égaliser, Franck. Yes. Maintenant, je vais m'en occuper. Oui, bah voilà, tu as compris ce qu'il faut faire. Oui. On fait des douves. Yep. C'est beau ça. Ah ça fait plaisir. Voilà, là. Ouais, je le fais creuser, il est content. Voilà.
Bonne nuit, princesse. Sur une profondeur. Et bonsoir, Poupette. Comment vas-tu? Oui, il est content. Hein. Et puis la production s'arrête. Il est content, Gaëtan. Oh merde, j'ai bientôt pété ma pioche. File-moi la tienne. Et tu peux la réparer, on a une forge juste à côté. Attends, tu veux dire qu'il faut que je m'arrête de creuser? Bah, si tu veux réparer ton outil, oui. Oh mon dieu, cette baisse de productivité, mais c'est pas possible. Oh, je suis d'accord. C'est inacceptable. Oh. Quelle indignité, j'ai honte de moi. Obligé de réparer ma pioche. Surtout de t'arrêter de bosser. C'est ça, mon cher Jean-Christophe. Bah, j'ai arrêté de bosser. La faute à qui? Hein? Oh, bah, c'est toi, hein, t'as fait ça toi-même. Non, non, c'est ta faute. Tu voulais pas que j'update la pioche, j'ai compris. Alors, on en est où, là? Oh, cet homme est fou. Voilà, ah, bah, là voilà. Franck, ta production s'est arrêtée. Ma production s'est arrêtée? Oui, ta production s'est arrêtée. Écoute, je ne peux pas être au four, au moulin et au cul de la crémière, même si elle a un très beau faisceau. C'est pas possible. Cet homme est fou. Oui. Je creuse, putain, c'est tellement bon. Et puis c'est bien, ça nous fait de la pierre. Bah du coup, je vais mettre des coffres à pierre bah, plutôt de ton côté. Ouais, mets-en au moins une dizaine. Non, une vingtaine. Ouais, évidemment, hein. Plus le trou est gros, plus t'es content. Toujours, quand c'est big, c'est meilleur. Oh bah t'es bien là. Par contre, on voit pas le haut fond, c'est bizarre ça, non? Bah non, parce qu'en fait, il y a une petite pente. Mais si tu veux, je peux arranger ça. Bah ça serait plus joli, non, tu penses pas? Si on a l'eau... Qui fait tout le tour? Ah oui, bah, moi je pense que c'est une très très bonne chose. Ça ferait des douves à moitié, ça ferait sympa. Francky Cross sans foreuse, bah oui. Jack? Oui. C'est quoi le ratel? C'est un petit animal tout mignon. Non, ça c'est pas une réponse. Le ratel, bah, c'est un petit animal de la savane. Mm-hmm. Qui a la particularité d'être un animal plutôt teigneux, on va dire ça comme ça. Tu vois, par exemple, c'est pour te le représenter, il est de la taille d'un gros chat ou d'un petit chien. Je crois qu'il va faire une cinquantaine de centimètres à peu près de long. Il doit peser à peu près 10 kilos. Et il tient tête au lion. Ah, tout de même. Puis, pas, genre, il tient tête. Généralement, les lions s'en méfient énormément quand ils sont seuls. Et le seul cas de figure où ils arrivent à venir... à bout d'un ratel, ou en tout cas d'arriver à l'intimider, c'est quand ils sont 3 ou 4. Ah oui, tout de même. Ah, donc c'est plutôt teigneux comme bestiole, tu vois. Et moi, j'aime assez bien. Mais pourquoi ils m'ont demandé? Binoc m'en a parlé la dernière fois, et du coup, je suis allé me renseigner. Ça m'a intrigué, je connaissais pas. D'accord. Et c'est un animal qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, il y en a dans... En fait, il y a... apparemment, il y en a dans Far Cry. Dans lequel? Je crois que c'est dans le Primal et celui qui se passe en Afrique. Ah ouais. Après, moi, j'ai fait que celui avec toi et j'ai fait le New Dawn aussi. Oui, ça, tu me l'avais dit, ouais. Ouais. J'ai trouvé sympa, même si au départ, j'étais pas convaincu par l'espèce d'esthétique punk, tu vois, un peu flashy et tout. Bon, après, visuellement, je suis quelqu'un de plutôt ouvert, hein. J'aime l'excentricité. Bah, c'est pas vrai, il y a encore quelqu'un qui s'abonne chez moi. Bon, Escaflo, t'es perdu? Qu'est-ce que tu fais? Bienvenue. D'ailleurs, les murs ne demandent que 2 pierres maintenant au lieu de 10. Vive les murailles.
toi, c'est les fausses. Ah, c'est les murailles, c'est moins cher. Attends. Ouais, c'est un petit blaireau, en fait. D'accord. Mais c'est ultra agressif, en fait, comme bestiole. Ok, bah tu vois, je connaissais pas. C'est plus aussi. Bon, fais des recherches, tu veux. Il y a 2-3 reportages, évidemment, quand t'as un animal qui est badass comme ça, t'as forcément des petits reportages dessus, et c'est super teigneux. Hein. Tu vois le machin, il est... Et il a une... Ah oui, il a une particularité. Ouais. C'est qu'en fait, il partage un point commun avec l'humain. C'est que c'est un c'est le seul, je crois, le seul animal qui, comme l'homme, peut marcher en marche arrière. Oh. Ouais. Et en fait, quand tu le vois, on va dire, en train de tenir tête à un ours, ou à un lion ou un truc comme ça, en fait, il lui fait carrément face. Soit il fonce vers lui pour l'attaquer. Donc c'est comme ça qu'il se défend, hein. Il attaque, hein, tu vois. D'accord, bah remarque, c'est une bonne stratégie. Et quand le lion approche, ou autre, hein, d'ailleurs la hyène ou peu importe, hein, soit il lui fonce dedans, ou soit il le maintient à distance en reculant, mais il lui fait toujours face. Ok. Donc petit mais costaud, quoi. Ok. Un peu comme nous, mais sans l'efficacité, en fait, tu vois, pareil. Presque. Oui, sauf que nous, on a l'efficacité, en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Non, justement, nous, en fait, voilà, on a toute la partie repli, ça, on est bien. Ça, là-dessus, on est d'accord, on est bien. Ah bah on maîtrise, hein. Ça, c'est on maîtrise fait. Complètement, voilà. Mais par contre, on n'intimide pas, nous. Ça fonctionne pas, ça. C'est la partie du plan qui ne marche pas. Ouais, mais je pense que c'est... Je pense qu'on c'est s'y prend mal. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on retravaille nos techniques. Oui. Après, elles sont peut-être compliquées, parce que c'est vrai que nous, on a des techniques qui sont au minimum en 10 phases. Et c'est vrai que, bon, moi, déjà, avec ma mémoire, je retiens pas toutes les phases, donc j'en oublie toujours une ou deux. Ou plusieurs, même des fois 10. Hein, voilà, et là-dessus. On est d'accord que tu voulais de l'eau dans la fosse. Hein. Oui. Ah bah tiens, j'ai encore quelqu'un qui s'est abonné chez moi. Non, mais c'est un truc de dingue. Tu les envoies chez moi, c'est pas possible. Allez-y. Non, j'ai rien fait. Et merci beaucoup, Astrelune, pour. Et Astrelune qui vient de renouveler son abonnement. Merci à toi pour les 9 mois. J'en profite du coup. Bah c'est cool, merci. Les gens, ils se perdent. Mais non, ils se perdent pas en douille. Oh là là. Bon, ça avance pas le boulot, là. Bah oui. Ah, mais oui, il y a de l'eau. Et t'as vu, on peut remonter, enfin, quand on sait s'y prendre. Non, mais j'ai plus de stam, en fait. Ah oui, d'accord, voilà. Et je vois, je vais nous faire une petite, un petit truc viking. Oh, tu vas voir, ça va être cosy, Franck. Oh, tu vas être tellement bien ici. Tu sais ce que je vais faire, Franck. Et comme t'es en train de travailler correctement, tu vois, je vais te faire un cadeau. Ah bon? Ouais, ne regarde pas, je vais te faire un super cadeau. Tu vas être tellement content. Je pense que tu vas avoir envie de pleurer. Est-ce que c'est pas un brin exagéré, quand même? Non. Un peu, quand même. Continue de faire ton trou, je m'occupe de ton cadeau. Les gens vont faire un cadeau à Franck. L'efficacité de l'opossum, c'est de faire le mort face à un prédateur. Bah, c'est-à-dire que nous, on fait vraiment le mort, en fait. Oui, des fois, on est même vraiment mort, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc du coup, d'un point de vue purement tactique... Bah, disons que d'un point de vue purement tactique, bah, on y est, quoi. Non, mais c'est efficace, après, tu vois. C'est-à-dire, il croit vraiment qu'on est mort, vu que, en fait, techniquement, on est mort. Vraiment, en fait, hein, c'est surtout ça... Ça, on n'y peut rien si on est des bons acteurs. Hein. Ah bah oui, bah écoute, il y a ceux qui ont le talent et les autres. Voilà. Et bonsoir à toi, Snox. J'espère que tu vas bien. Salut, Stiders, comment vas-tu? Bonne nuit à toi, des gros bisous, Stiders. Ça devrait passer, ça, les gens. Vous allez voir, il va être content. Ah. Techniquement, je sais pas si je suis loin de mon objectif. Bon, après, je ferai le détail. Après, c'est un trou, Franck. Non, c'est pas un trou. Creuser, c'est un art.
Ça va être un peu grossier si je te fais ça comme ça, Franck. Ah oui, insulte-moi en allemand. Je vais faire un truc un peu plus RP. Salut Pog, comment vas-tu? Ça mine dur. Ça creuse surtout. Oh putain, Pog, c'est non surgi du passé, quoi. Oui, toi aussi, ça te rappelle des souvenirs? Ouais. Attends, c'est tout ce que t'as fait comme trou? Oh mon dieu, cet homme. Ouais, j'ai fait vite fait, hein. Je savais bien que tu trouverais à redire, donc je me suis dit, ça a rien que je m'emmerde à faire un truc. Il va encore m'inventer je ne sais quelle règle spiralée de je ne sais pas quoi. Pour me non, dire, non, oui, mais non, problème. C'est tout un art, Jack, tu peux pas faire. Non, 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 non. Le plus important quand tu fais un trou. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est que ça soit bien écarté. Regarde-moi ça. Voilà. En savoir plus, faire son trou, c'est important. Tellement toujours de la consonance quand tu parles. Quoi? Mais quelle consonance? Ah non, 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 c'est vrai, il n'y en a pas là. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh non, faut aider l'eau à rentrer dans ce trou. Il faut que ce trou soit bien humide. Ça y est. Ça y est, c'est parti. Oh là 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 là, ce manque de professionnalisme. Voilà. Là, je peux nager dans mon trou. C'est fait, Franck. Merci, Vera. Bonsoir, Galpin. Comment vas-tu? T'es debout sous l'eau? Non, non, j'ai pied. Cet homme est fou. Jack? Oui? Je crois que j'ai un peu exagéré. Comment ça, t'as un peu exagéré? Bah... disons que j'ai creusé, si tu veux. Ouais. Et je me suis légèrement laissé emporter. Oui, mais non, mais je t'avais dit, je t'avais donné des directives assez simples. Ouais, mais... C'était pas clair, c'est ça? Ah si, 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 c'est vachement clair. Attends, donc t'en avais rien à foutre. C'est ça. En fait, on est plus sur ça, en fait. Ouais, tu voilà, t'es c'est ça. Ouais, t'es plus parti sur de l'impro, quoi, en fait. De l'impro? Regarde-moi ce trou. Et ose me dire que ce trou, mon trou, n'est pas parfait. Oh bah je me doute bien que... Il faudrait encore me trouver une excuse à la con pour me dire « T'as vu ça, Franck ?» Salut Dédé Nico, comment vas-tu? C'est un méfou. Viens observer mon trou. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça, t'es conscient que... Attends, je suis en train de poser un toit, c'est compliqué. Ah! Parce que poser un toit, c'est plus important que de regarder mon trou. Ça dépend le toit de quel bâtiment. Hmm. Est-ce que c'est un toit de pour la production? Non. Alors c'est pas important. C'est un toit pour ton agrément. Tu as? C'est pour ton agrément à toi, c'est pour ton bien-être personnel. Vu que tu es en train de travailler efficacement, j'ai décidé de te faire un cadeau. Alors je me fais plaisir à construire aussi, hein, on est bien d'accord. Donc ce n'est pas complètement désintéressé. Mais je pense que ça va te faire plaisir. Parce que c'est un bâtiment qui va te servir, Franck. Alors attends, parce que je range la pierre et le bois. Et je vais regarder la prod. Parce que bon, je constate que la prod tourne pas. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Là je pars sur un truc un peu random. Je pense que ça va se péter la gueule à un moment. Que je suis là, mais je ne vois rien, Francky. Ah bon? Ah, ça vient de chez toi, mon bon Vera. Il faut que tu fasses un F5. Oh, cette physique à deux balles. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mais... Tu sais, quand le personnage est au bord d'un truc et qu'il est un peu sur un en équilibre, t'as le sol, ouais, qui se met à trembler. T'as déjà eu délicieux. Ça. Je suis pas sûr que ça soit bien solide, mon affaire. Et ça serait... Ouais, si, ça va être solide, on va voir.
Oh oui. Alors, on me demande qu'est-ce qu'on fait de beau ce soir. Alors là, on est en train de glander dans notre base. Ah bon? Oui. Je viens de creuser une magnifique fosse. En fait, on est en train de sécuriser notre base de prod parce que on a des dingueries qui viennent nous casser les bonbons régulièrement. Donc on sécurise ça. Et encore t'es poli hein, quand tu dis ça, parce que ils sont vraiment 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 relous quoi. Ouais, ils sont bien relous. J'en conviens. Putain, mais on a plus de bois. On a du bois robuste, mais je vais pas l'utiliser. Ah, du bois classique. Ah bah voilà. Oh, ça, il manque quelque chose. Ah oui. Merde. Ah, il me faut du bois, Franck. Genre combien? Putain, il m'en faut un peu plus. Est-ce qu'on en aurait pas une cinquantaine, là? Ah. J'en ai 11 sur moi. Ah, ça m'emmerde un peu. Bon, viens voir, je vais te montrer ton cadeau. Viens avec moi. Oh mon dieu. C'est un mirador? C'est un mirador, Franck. Tu feras attention, j'ai pas encore mis les rembards, je voudrais pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ton grand-père. Oh mon dieu. Ne tombe pas. Oh. Voilà, et là tu pourras tirer sur les innocents d'ici. Oh. Je t'ai mis une petite flamme parce que je sais que t'aimes bien voir ce que tu fais. Donc ça te permettra de travailler dans des conditions optimales. Oh. Tu vois, j'ai pas fait la blague sur la grosse femelle, hein, pour une fois. Oh, quelle charmante attention. Est-ce que tu as vu la taille de mon trou? Oh oui, j'ai vu. Bah, je le vois bien d'en haut. Et t'as vu? Tu es fou. Il est propre, hein? Tu es fou, Franck. Oui, ton trou est bien propre, Franck. C'est bon, je suis au courant. Et sache que ton hygiène, c'est toujours quelque chose que j'apprécie chez toi. Je te remercie. Bon, on est d'accord les gens, on construit plein de bâtiments, tous sont à l'état de projet, d'accord? Pas un seul n'est terminé, parce que le Mirador va rester, je pense, comme ça pendant un certain temps. Mais il faut imaginer. En fait, on fait exprès de ne pas finir les choses, comme ça vous fait travailler votre imaginaire. Et ça, c'est important. Vous vous projetez en vous disant à quoi ça pourrait ressembler si c'était pas deux cons qui finissent jamais ce qui commence. Et ben voilà, vous travaillez votre imaginaire grâce à nous. Et c'est grâce à nous, surtout. Donc il me semble que le minimum, ça serait de dire merci. S'il vous plaît, dans les commentaires, vous dites merci. Et il attaque le mirador, lui. Ah non, c'est bon. Et tu vois, ils viennent plus, là. Il y a un mirador, ils se disent « Hop, 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 attention !» Parce qu'on a affaire à des professionnels. Et tu n'as pas fini les remparts, par contre. Ça, par contre, ça me... Attends, il y a mon chat qui miaule, je reviens. D'accord. Ça me chagrine un peu. Je vais aller couper du bois, tiens, en attendant. Hirsiro Ninja. Le ninja de l'amour. Je suis le ninja de l'amour. Aïe. De rien. Oh, je pouvais pas tuer ces deux cons. Mais qui c'est qui vient de me cracher dessus? Sale petit bâtard. Tu sais que c'est une purge, hein, à couper du bois. Ah mais il est pas là. Il est pas encore revenu. Si, mais en fait, j'ai oublié de remettre le micro. Donc, depuis tout à l'heure, je fais des vannes et ça sert à rien. Tu veux les refaire ou... De quoi? Les vannes? Non, bah non, parce que c'était dans le contexte, je suis pas bien sûr qu'elles étaient drôles, du coup, ça m'arrange un peu. T'es sûr, tu veux même pas faire un petit essai? Non, puis... Du coup, non, mais ça fait un blanc super gênant, je vais le laisser, les gens aiment bien comme ça. Il y a pas mal de gens qui me posaient la question, Jack, est-ce que t'es professionnel? Bah, vous avez votre réponse, pas du tout. Oui, mais on essaye, et ça, c'est important d'essayer. Oui, voilà, mais non, c'est faux, ça, faut pas leur dire ça, c'est le résultat, c'est ça qui compte, et nous, le résultat n'est pas là. Je vais refaire des flèches, parce que... C'est bien beau d'avoir des miradors, mais si on doit leur jeter les outils à la tête, ça va pas te donner grand-chose. Je suis en train de couper du bois, Jack. Je sais, j'entends.
Il faudrait qu'on utilise une technique optimisée pour le bois. C'est-à-dire moi ? Non. Tiens, il y a un chariot qui arrive là. Encore ? Oui, parce qu'ils sont... Mais... Oh l'outé ! Oh l'enfoiré ! J'arrive, il se casse ! Et je t'ai vu courir après. Ouais, je commence à arriver, tu vois, gentiment, tu vois. Moi, j'ai une arme à la main, ça veut pas forcément dire que je pars sur une action hostile, tu vois. Ça aide un peu quand même l'arme à la main, non ? Non, mais le truc, c'est qu'il a fait une erreur, il s'est tourné, tu vois, et moi, tu me connais, tu vois. Un mec qui me tourne le dos, tout de suite, j'ai envie de le taper. C'est l'opportunité. Je trouve ça malaisant, en fait, c'est surtout ça. Bah oui. Non, puis le coup dans le dos, c'est un classique. Tu le fais pour... Moi, je suis pour, hein. Tu sais où je me situe. Après, moi, je fais pas ça méchamment, c'est vraiment pour le plaisir du beau geste, tu vois. Ah bah, on est sport, hein. Bah, c'est ça. Mais ça, bon, bah, les gens, pour comprendre, à mon cul. Ouais. Ouais. Après, ils disent, oui, free frag. Il y a du rollback. Non, par contre, quand on rate, si, c'est vrai, il y a du rollback. Donc tu sais... celle-là, elle peut passer là ? Oui. Eh Franck, tu sais ce qu'on peut faire dans le jeu ? Attends, alors j'hésite à te le dire parce que j'ai peur que ça te rende fou. Tu sais qu'on peut faire des pics ? Pourquoi t'en as pas installé ? Bah, je me dis, j'en installerai bien en fait. Tu le mets ton coup, toi, ou merde ? C'est là qu'il se retourne, il fait merde. Et voilà, j'ai du bois. Yes. Enfin, je regarde ma vie, quoi. Puis, je vais me prendre deux calots dans la tête et la musique de fanfare qui démarre. Bravo. Cette playfile me crache à la gueule continuellement. Après, tu me diras, fallait pas être con au point de mettre des musiques de fanfare aussi, tu vois. Et là-dessus, je suis obligé de t'accorder raison, tu vois. Tu vois, moi, j'aime bien les musiques de fanfare et les marches militaires. Ouais, les marches militaires. Non, mais les marches militaires, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah ouais, moi aussi. Le plus important, c'est de commencer. Oh, ok. C'est beau l'esprit opossum. Des lanceurs d'idées ? Ah bien. Salut Campbell, comment vas-tu ? Bonsoir Very Bad Face. Ça fait plaisir de te lire. La première technique optimisée de Jack pour couper du bois, c'est la dynamite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'aime bien faire des choses à l'explosif. Ouais, repousser des hordes à l'explosif, c'est agréable. Couper du bois à l'explosif, c'est très agréable. Ouais, en fait, du moment que ça pète, en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas encore trouvé de jeu... Si, dans The Forest, on pouvait pêcher à la dynamite, et c'était bien aussi. Alors, je sais pas si je lui donne la nouvelle ou il va s'énerver. Alors, ça dépend. Est-ce que cette nouvelle... Non, mais je suis en train de réfléchir. Hein. Voilà, prends le temps. Oh, on ferait bien un petit pont. Est-ce que tu veux qu'on fasse un pont ? Oui. Pour une fois, je dis oui. Voilà. D'accord. Par contre, il va falloir protéger ici parce que je pense qu'on va avoir des trous de balles qui vont venir. Non, mais je sens qu'il va gueuler. Quand je vais lui dire, je sais qu'il va gueuler. Bah, pourquoi veux-tu que je gueule ? On n'a plus de minerai d'argent. T'as tout fondu ? Ah bah oui, hein, j'ai pas lambiné en fait. Après, tu te doutais bien qu'à un moment, il allait falloir qu'on retourne en chercher. Ouais, mais moi j'étais content de produire comme ça. Globalement, on a bien compris que la boucle de gameplay, c'était quand même un petit peu ça. Par contre, je retourne à la base, je vais aller chercher de la bouffe. Ok, ça marche. Oups là. Je suis souvent inspiré de leurs idées. Ils ont de bonnes idées. Parfois. Attends, nous ? Bah oui, apparemment, parfois, on a des coups de calcaire, je ne sais pas. Non mais, nous ? Les opossums, on a des bonnes idées. Je sais pas, c'est Agaroth, mais je me dis qu'il a peut-être picolé. Ah, c'est Agaroth. Oui, bah, je sais, mais... Je pense que ce garçon n'a plus toute sa tête, tout simplement. Ah, on est d'accord, ok. Non, parce que j'ai eu un doute. Je croyais qu'il parlait de quelqu'un d'autre, donc... Au début, je me suis dit, c'est une blague. Peut-être. Oh, mais remarque, il est un peu facétieux aussi, Agaroth. Hein. Oui, tout à fait. Des bonnes idées. Elle est bonne. Non, elle était drôle. Ah non, mais j'avoue, celle-là, elle est bien placée. Ah, il faut du bois aussi pour faire les pics.
c'est pas cool ça. Marche militaire, j'avais acheté le CD du 6e RG, Franck. Alors, je l'ai pas dit à la blague, il y a certaines marches militaires que j'apprécie. Par exemple, les marches prussiennes. Non, là, je déconne. Je vois pas ce qui te fait rire. C'est très beau, les marches prussiennes. Oh, Jack, attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il respecte pas du tout la défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, il va se noyer. Ouais, mais attends, après, c'est un arbre, je suis pas sûr. Mais oh, il a une belle brasse, hein. Je trouve qu'il a un beau geste. Il avance pas, mais il a un beau geste. Mais il est technique, je dirais. Ouais, attends, on va aller regarder d'un peu plus près, voir ce qu'il fait. Ah ouais, attends, on va aller se foutre de sa gueule. Et alors, tu nous jetais des cailloux? Attends, on peut pas mettre des cailloux dans l'inventaire, là, pour lui balancer des caillasses à la gueule? Attends, je vais aller voir si c'est possible. J'ai jamais essayé. Ça se trouve, on peut, c'est hein. Rigolo. Ah, vas-y, essaye, pour voir. Attends, voilà, si on peut lui balancer de la petite caillasse, je vais pas me gêner, mon gars. Vous avez surtout des idées. Utiliser Pierre sur quoi? Bah, je voudrais l'utiliser sur l'autre con, là. Il est où? Ah, il est là. Super, et toi? Tip top. Je peux pas te jeter la caillasse, toi? Alors sur lui, là. Bah, le jeu me demande utiliser Pierre sur quoi. Je voudrais utiliser sur le lingri, là, lui balancer des cailloux comme il nous fait, là. Mais regarde, mais en plus, il nous nargue. Il fait sa brasse devant notre base. Non, mais... Oh, le petit con. Tue-le, Jack. Bah, j'ai plus de flèches. Faut que j'en refasse. Oh, putain. Défonce-moi ce punk. Non, parce que tu sais ce que ça veut dire, ça. On en trouve un en train de faire la brasse. Bientôt, on va se retrouver avec... tous les glandus qui vont déposer leurs serviettes de plage devant notre base. Ben c'est ça, ça a été le drame des congés payés. Les plages ont été volées aux gens qui avaient le droit d'y aller. Pour se retrouver avec une bande de prolos dans les plages, hein, à manger des glaces et habillés avec des habits moches. Et des tongs, Jack. Putain, des tongs. Tongs. Des crocs, Franck. Des crocs en caoutchouc. Oh. Le comble du mauvais goût. Ah mais tu sais, c'est ça qui m'impressionne chez les pauvres. C'est toujours cette capacité à se dépasser en mauvais goût. Après, tu peux avoir du mauvais goût. Par exemple, les touristes allemands ont mauvais goût, mais voilà, bon, ils ont du pognon. Donc ça passe. Ils ont du pognon, et puis bon, bah, on va pas se mentir. Et puis par l'allemand. Et puis ça, bon, bah, c'est une belle langue. Ah, c'est la langue de Goethe, que veux-tu? Ah, oui. Il coule juste, en fait. Il ne coule pas. Il flotte, hein. C'est un arbre, je pense qu'il flotte, hein, globalement. Oh, regardez cet homme, il a pas enlevé les souches. Là, je vais essayer de le faire gueuler. Heureusement que je suis là pour les enlever, hein. Jack? Oui? Notre nagri, il brasse plus. Ah, il a coulé? Bah, je sais pas où il est. En fait, techniquement parlant, je le vois plus. Bah, je crois que ce con-là s'est noyé. Le nagri, je pensais qu'il flottait, moi. Là, pour le moment, je pense qu'il a coulé. Je vais laisser mes petits remparts ici. Je vais installer des nouveaux coffres. On va dire au revoir à YouTube. YouTube, c'était passionnant. Je Ciao te dis YouTube. À la prochaine.